Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulchi Labas fil cascasse. Parmi les ambiguïtés les plus citées contre l'islam, il y a l'histoire de Banu Qurayza. Alors vous trouverez ça sur internet un peu partout, et puis les islamophobes, menteurs ou menteuses vont vous cacher le contexte, ils vont juste vous dire massacre de 700 juifs Banu Qurayza, c'est tout. C'est donc le moment de réfuter cette ambiguïté qui sera faite grâce à Allah Azza wa Jalla, le Tout-Puissant. Dans un premier temps, nous allons réfuter ces islamophobes avec les propres sources qu'ils citent, c'est-à-dire nos sources à nous islamiques. On va voir ce que dit le Coran, la Sunna et la Sira. Dans un deuxième temps, nous allons réfuter ces ignorants avec leur propre livre, c'est-à-dire la Bible. Donc, les supporters, mettez votre ceinture. Bon, alors, par où commencer? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la correction automatique. Jugement des 700 criminels. Mohammed a jugé les criminels des Banu Qurayza. Ah bah ils se sont réfutés eux-mêmes, ah bah c'est trop bien. Ok, bah écoutez, j'ai plus rien à dire, hein. J'espère que cette vidéo vous aura été profitable. Hein. Bon allez, à plus dans le bus. Oh, Jésus musulman, reviens, tu as falsifié, il y avait écrit massacre des 700 juifs. Maintenant on fait comment avec le rouge? Ah bah oui, c'est vrai, parce que là, nous ce qu'on veut c'est faire passer l'islam pour une religion de violence, comme ça les gens se convertissent au christianisme. Non mais attendez, c'est quoi votre source pour dire qu'il y a eu 700 juifs massacrés gratuitement? C'est votre source à vous. Quelle source? Je ne sais pas, c'est ce que dit la dame en dessous. Ah, vous parlez de l'islamo-ignorante, là? On avait montré qu'elle racontait n'importe quoi, qu'elle ne savait même pas lire l'arabe alors qu'elle se prétendait être professeure et islamologue. Hein. Oh, excusez-moi, vous fuyez le débat, vous n'avez pas le droit de parler. Donc quand vous aurez le courage de venir débattre, vous pourrez parler. Donc là, au revoir. Bon, en vrai, ces gens-là, ce sont des manipulateurs, ils vont trouver tous les prétextes possibles pour attaquer l'islam. On leur pose simplement une question. Qui vous a dit qu'il y a eu l'histoire de Banu Qurayza? Bah, c'est nos sources. Bah, si on va dans nos sources et qu'on les regarde, eh bien, vous avez déformé la vérité. C'est simplement un jugement de certains criminels. Tout d'abord, le Coran fait référence à cette histoire. Dans la sourate numéro 33 au verset 26, Allah Azza wa Jal nous dit « Et il a fait descendre de leur forteresse ceux des gens du livre ». Alors, de qui on parle ici? On regarde la note en bas. Bah, ce sont les Banu Qurayza. Alors ça, c'est pas simplement la note du livre. C'est tous les commentateurs musulmans sont d'accord avec ça. Que ce soit le tafsir de l'imam al-Tabari, rahimahullah, ou encore le tafsir de l'imam al-Barawi, rahimahullah, ou encore le tafsir de l'Qurtubi, rahimahullah, ou encore le tafsir d'Ibn Kathir, rahimahullah. Donc, les savants musulmans sont unanimes que ce verset concerne les Banu Qurayza. Et bien, qu'est-ce que dit le verset? Il a fait descendre de leur forteresse ceux des gens du livre qui les avaient soutenus, les coalisés. Donc là, ici, on parle des coalisés, c'est-à-dire que les païens arabes de la Mecque s'étaient rassemblés à environ 10 000 hommes et leur objectif, c'était quoi? C'était pas de jouer aux cartes ou de jouer aux dominos. Quand ils vinrent d'en haut et d'en bas, de toutes parts, et que les regards étaient troublés et les cœurs remontés aux gorges, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. Donc là, Al-Ahzab, les coalisés, aidés par les Banu Qurayza, ils étaient venus de toutes parts pour exterminer les musulmans. On ne veut plus des musulmans. Et ils étaient environ 10 000. 10 000, objectif, tuer les musulmans. Donc c'était des exterminateurs. Ils étaient prêts à faire un génocide. Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Ils avaient pour but d'exterminer tous les musulmans une bonne fois pour toutes. Et ils ont été aidés, voire même initiés par Banu Qurayza. Et c'est pour ça que la fin du verset dit « Il a jeté l'effroi dans leur cœur, un groupe d'entre eux vous tuait et un groupe vous faisiez prisonnier. » Donc voilà le contexte du verset. Et en général, les gens ils vont citer que la fin du verset. Et c'est malheureusement le cas de l'islamo-ignorante d'El-Cambre. Dans le Coran, sourate 33, on parle de ce carnage de la troisième tribu. Il est dit « Une partie d'entre eux a été tuée par vous, une autre réduite en captivité. » Non mais on sait que c'est trop demandé pour vous de citer le contexte. On vous demande juste de citer le début du verset, c'est tout. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va déformer, elle va juste citer la fin, c'est tout. Et en plus, elle va essayer de citer la fin du verset en arabe et puis elle va se tromper comme on a déjà vu qu'elle ne savait pas lire. Fariqan taqtuloun. C'est un ta, c'est pas un yé, vous êtes professeur d'arabe. Bon, de toute façon, on avait déjà vu qu'elle savait pas lire. Bon, maintenant, si on regarde en dehors du Coran, eh ben, c'est la même chose. Ils seront complètement réfutés. Et puis, cette dame, elle va nous citer la sira, la biographie. Le massacre des Banu Qurayza. Voyez, ils avaient plus ou moins fricoté avec les ennemis du prophète, c'est vrai, avec les Mécois. Alors on voit qu'elle ruse un petit peu, elle reconnaît sans reconnaître que les Banu Qurayza étaient responsables. Elle va citer des paroles floues, mais par contre, lorsqu'il s'agit de citer l'épisode en question, là elle se base, elle lit vraiment Ibn Ishaq. Mais voici le sort.
sort qui leur fut réservé. Okay. Voici ce que dit Ibn Ishaq. Eh bien justement, pourquoi vous n'avez pas lu ce que dit le même Ibn Ishaq par rapport à la cause de ce massacre-là? Eh bien, on va le faire à votre place. Prenons la Sira d'Ibn Kathir et dedans, il rapporte ce que dit Ibn Ishaq, donc votre propre source à vous. Qu'est-ce qu'il est dit? Huyay ibn Akhtab, il est parti voir Ka'b. Alors, Huyay ibn Akhtab, c'est le père de Safiya, radiallahu anha, qui a épousé le prophète, alayhi salatu wasalam, par la suite. C'est lui qui a instauré toutes les guerres contre le prophète, alayhi salatu wasalam, à cette époque-là. Il va voir Ka'b, qui est le chef de Banu Qurayza. Il va l'inciter à rompre le pacte avec le prophète. Au début, il est un petit peu dubitatif, mais après, il arrive à le convaincre. « Je suis venu à toi avec la puissance et la multitude d'hommes. Je suis venu à toi avec les Qurayshites. » alors c'est lui qui parle, je les ai fait descendre, c'est lui qui a l'initiative de l'attaque de l'Ahzab contre les musulmans. Et donc les Mekwas se sont engagés devant moi à exterminer Mohammed et ceux qui sont avec lui. Et par la suite, le même Ibn Ishaq, donc ça c'est votre source à vous, hein, Huyay ne cessa d'insister auprès de Ka'b jusqu'à ce qu'il arrivât à le convaincre à remettre en cause le traité conclu avec le prophète alayhi salatu wassalam et à rallier les coalisés. Donc là, selon votre source à vous, c'est vous qui citez Ibn Ishaq, il est indiqué que Huyay et Ka'b, deux chefs des deux tribus qui étaient Banu Nadir à l'époque et Banu Qurayza, ce sont eux qui ont aidé, voire incité les coalisés, juste à exterminer tous les musulmans, c'est tout. Et on voit même dans la Sira d'Ibn Ishaq que ce n'est pas tout le monde qui a été châtié, justement. Et il y a l'exemple d'une personne qui a refusé la trahison envers le prophète, alayhi salatu wassalam. Et puis, qu'est-ce que le prophète a dit? Allah a sauvé cet homme en raison de sa loyauté. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a été tué, justement. C'est simplement le jugement des criminels, des gens qui voulaient exterminer toute une population. Bon, maintenant, si on regarde au niveau des hadiths authentiques, il y a encore la confirmation que les Banu Qurayza, c'est eux qui ont attaqué le prophète, alayhi salatu wassalam. Une première fois, alors, il les a laissés, il a usé de bonté envers eux, jusqu'à ce qu'il l'attaque une deuxième fois, au moment de l'épisode de l'Ahzab. Et ça, c'est rapporté par Bukhari, ouais, et Muslim aussi. Voilà, donc c'est authentique. Ce sont les Banu Qurayza qui ont attaqué deux fois le prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a pas pardonné encore une fois aux Banu Qurayza, vu que lui, c'était une miséricorde. Alors, effectivement, le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est une miséricorde. Il pardonnait à ses ennemis, il pardonnait à ceux qui l'avaient insulté, ceux qui voulaient le tuer, l'empoisonner, l'ensorceler, parce que ça concernait sa propre personne. Mais si l'injustice est envers toute une population, tous les musulmans allaient être exterminés. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne peut pas laisser passer cette attaque une seconde fois. C'est tous les musulmans qui ont failli être exterminés. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, il a donné le jugement à ceux qui ont été attaqués. Il a laissé parler ceux qui ont reçu, ceux qui ont subi cette injustice. Et parmi eux, il y avait le compagnon Sa'd ibn Mu'adh, radiallahu anhu, qui avait été attaqué lors de la bataille d'Al-Ahzab. Et lui-même, Sa'd, qui était un ancien allié des Banu Qurayza, il reconnaît que c'est à cause d'eux qu'il a été blessé, que c'est à cause d'eux que les musulmans ont failli être tués. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, a simplement proposé aux Banu Qurayza qui avaient trahi le pacte, qui étaient des criminels, d'être jugé par un ancien allié à eux, quelqu'un qui a subi une injustice de leur part. Voilà, maintenant on a l'histoire au complet. Selon nos sources, c'est simplement le jugement de criminels. Rien à voir avec juifs ou pas juifs. Ce sont des criminels. L'injustice est interdite en islam, peu importe envers qui et par qui. Bon, pour terminer, l'objectif n'est pas de vexer les juifs ou les chrétiens qui croient en la Bible, mais c'est simplement pour mieux fermer le sujet. Eh bien, en fait, ce type d'islamophobe qui s'étonnent de l'histoire de Banu Qurayza, devraient fermer leur Bible à jamais. Dans la Bible, la Torah, nombre 31, l'Éternel ordonne à Moïse, qui ordonne aux enfants d'Israël, d'exterminer les Madianites. Pourquoi? Parce que leurs femmes, elles avaient séduit les enfants d'Israël à adorer un autre Dieu. Donc, extermination de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les enfants garçons, 32 000 vierges sont laissées vivantes. Donc, 32 000 vierges dont on a tué le frère, la mère, le père. Pourquoi on vous entend pas parler sur ce sujet? Pourquoi vous ne dites rien sur ces 32 000 filles dont on a exterminé la famille sous l'ordre de Dieu? Pourquoi? Parce que leurs mères, elles avaient simplement incité les enfants d'Israël à adorer un autre Dieu. Voilà, c'est tout. Pourquoi vous ne parlez pas sur ça? Bon, en vrai, si on devait comparer l'histoire de Banu Qurayza avec tout
tout ce qu'on trouve dans la Bible, eh bien ça ne représenterait même pas 5%, tellement il y a des passages qui parlent de massacre, hein, pour reprendre les mots des islamophobes, hein. Par exemple, Deutéronome chapitre 2, versets 30, 31, 32, 33, 34, Deutéronome chapitre 3, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 Samuel chapitre 15, versets 2, 3, Josué chapitre 2, verset 9, chapitre 6, verset 21, verset 24, chapitre 8, verset 2, verset 22, verset 23, verset 24, verset 25, verset 29, chapitre 10, verset 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, chapitre 11, verset 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, chapitre 12, verset 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, à plus.